Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Nostalgie. Je suis Leslie Dallancourt. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai un invité spécial, un bon ami, Monsieur Marc Amblard. Merci Leslie de c'est m'accueillir. C'est un plaisir de t'avoir avec moi. Et il va nous parler de beaucoup d'artistes que, bon, je connais les chansons, mais je ne connais pas ce qu'ils ont fait eux autres. Donc, alors Marc, en premier, qu'est-ce que tu fais à Miami? Alors d'abord, moi, Miami, je suis avocat, mais je suis un avocat français travaillant à Miami pour des clients français. Donc ça n'est pas mon métier qui m'a poussé à Miami, mais c'est la qualité de vie américaine. Et puis cette ville est tellement extraordinaire que finalement, je suis très satisfait d'avoir pris cette décision. Et puis ça ouvre de très belles perspectives pour mes enfants. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. J'ai eu la chance d'aller avec toi sur ton bateau et un appartement magnifique sur l'eau là. Et c'est vraiment fantastique. Ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et nous allons commencer là avec qui? Avec Alain Barrière. Alors, effectivement, on va commencer avec Alain Barrière. Alors, j'aime beaucoup Alain Barrière parce qu'il a marqué son époque. Et je l'avais presque oublié, mais mon ami Leslie l'a ramené, on va dire, un peu à la mémoire, puisqu'il interprète merveilleusement, là, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle « À regarder la mer » et qui n'est pas facile parce que la mélodie est assez travaillée, il faut quand même de la puissance, du coffre, et tu l'as fait avec brio. Merci. Donc ça m'a projeté quelques années en arrière, et quand on m'a proposé de présenter cette série de chansons, finalement j'ai souhaité commencer par Alain Barrière. Alain Barrière, il faut savoir que c'est un chanteur qui a marqué son époque, il a un peu un parcours atypique puisqu'en fait il était ingénieur des arts et métiers, qui est une des plus grandes écoles de France. Et puis comme beaucoup de personnes, il s'est rendu compte qu'il avait un peu... Il n'allait pas finalement emprunter la voie qu'il souhaitait, puisque lui, sa passion, c'était la chanson, la guitare. Donc après, il commence une belle carrière chez Kléber Colombe, et puis il arrête. Il décide de se mettre à la guitare, à chanter. Et au bout de quelques années, il fait un triomphe avec une chanson que tu connais peut-être, qui s'appelle « Ma vie ». Ah oui, j'adore. Voilà, « Ma vie ». Et alors là, il est en haut des charts. Alors c'est une des rares fois où un chanteur français rencontre un succès phénoménal en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili. Les gens connaissent cette chanson, donc c'est assez marquant. En plus, c'est une belle époque, sur début des années, fin des années 60, début des années 70. Oui. Et puis, cette chanson, « À regarder la mer », je l'aime beaucoup parce que mon père l'a chantée souvent, et c'est une anecdote. Cette chanson sort en 69, mon père la chante souvent, et en 70, on habitait dans le centre de la France, donc loin de la mer, et en 70, il décide de déplacer toute la petite famille dans le sud de la France pour vivre au bord de la mer. Alors je n'ai jamais su s'il y avait une relation avec la chanson, avec cette chanson, mais en tout cas, bon, c'était marquant parce que ça a coïncidé. Donc quand tu l'as chanté il y a quelques mois, vraiment, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a ramené très longtemps en arrière quand j'étais un enfant qui écoutait son père chanter dans la voiture. C'est voilà. Magnifique. Alors, nous allons écouter Alain Barrière en regardant la mer.